bientôt corriger le quiz concernant les prérequis. Comme première question, les contraintes ont calculé en prenant pour origine des pressions la pression atmosphérique. C'est une réponse vraie. Comme deuxième question, la contrainte effective ne représente pas les efforts réels entre les grains, qui sont ponctuels, mais une valeur moyenne. Et c'est encore vrai. Comme troisième question, le principe de superposition résulte de l'hypothèse sur la loi comportement du sol, à savoir que la théorie de l'élasticité linéaire. C'est également vrai. Comme quatrième question, on appelle contrainte naturelle ou géostatique la contrainte s'exerçant dans un sol à surface libre horizontale, sur une facette horizontale, avant tout chargement, et elle correspond généralement au poids des terres qui surmonte le point considéré. C'est vrai. Ensuite, comme cinquième question, le postulat de Terzaghi est un résultat expérimental et non théorique, valable pour le cas des trois phases, sol, eau et air. C'est faux. Comme sixième question, pour des sols saturés, la contrainte effective de Terzaghi est la variable d'état utilisée pour décrire le comportement du sol et gouverner tous les aspects de la mécanique des sols saturés. En réalité, cette relation de Terzaghi est vraie uniquement pour les sols saturés où généralement U est positive ou nulle. En revanche, pour des sols non saturés, l'approche en contrainte effective est beaucoup plus complexe étant donné que le sol ne possède pas deux phases, mais trois phases. Des efforts considérables ont été entrepris par des chercheurs après les années 1950 pour trouver une équation de contrainte effective pour les sols non saturés. Et on demande de cocher ces chercheurs qui ont élargi le postulat de Terzaghi. Les trois bonnes réponses sont Bishop 1960, Coleman 1962 et puis Fredo Néalin 1978. Félicitations à vous tous qui ont participé à ce quiz de prérequis pour le cours d'aujourd'hui.